Bonjour mon petit, j'espère que tu vas bien. J'imagine qu'aujourd'hui tu es bachelier et que là en ce moment tu es en pleine phase de préparation aux différents concours. Et j'imagine que des fois aussi tu as la flemme de travailler, tu as la paresse de bosser. Donc aujourd'hui c'est... Oh le pyjama! Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas oublié quelque chose? Ah oui! Unayao, Miegabe, Mbolo, Amgaka, Bembenkirio, Meshachu, Moneo. Rebonjour mon petit. Donc comme je te le disais tantôt, dans cette vidéo, je te dirai ce qu'il faut faire pour réviser même quand tu n'en as pas envie. Parce que mon petit, chaque minute pendant ta période de préparation à un concours compte. Bon, déjà pour la petite histoire, moi j'ai pu réussir il y a quelques années en arrière le concours d'entrée à l'école normale supérieure de Yaoundé. Et merci. Et puis il y a 3 ans, j'ai intégré la faculté de médecine TEC Marseille. Et merci Marseille. Donc mon petit, pendant ta période de préparation au concours, que tu le veuilles ou pas, il y aura un moment où tu n'auras pas envie de bosser, tu auras la flemme, tu auras la paresse. Que tu le veuilles pas, c'est comme ça. Mais justement, dis-toi que mon petit, c'est pendant ces moments-là qu'il faudra que tu charbonnes, qu'il faudra que tu te mettes au travail. Parce que travailler, réviser, charbonner quand tu en as envie, ça tout le monde peut le faire. Mais c'est justement quand tu n'as pas envie de charbonner, qu'il faudra que tu charbonnes, qu'il faudra que tu trouves la motivation d'aller bosser, qu'il faudra que tu te dises, bon, maintenant, il faut que je me mette au travail, même si je n'en ai pas envie. Parce que, dis-toi que, quand toi, tu n'es pas en train de bosser, il y a 250 000 candidats dans leur chambre là qui sont au charbon comme Jaja. Tu vois un peu? Donc, quand tu n'auras pas envie, il faudra que tu te remettes au charbon. Moi, par exemple, quand je préparais mon concours, pendant mes instants de mou, moi, j'allais sur Internet, sur YouTube. Oui, il n'y a pas que des vidéos drôles sur YouTube. Il y a aussi des vidéos de motivation, des vidéos de personnes qui ont réussi. Oui, mon petit, tu peux aller sur YouTube, tu regardes, tu cherches des vidéos de personnes qui réussissent, des vidéos de personnes qui sont déjà passées par la même situation que toi. Ces vidéos pourront t'inspirer et te redonner envie de bosser parce que quand tu vois quelqu'un qui réussit, ça te donne aussi envie de réussir. Tu vois un peu? Donc mon petit, ne reste pas là, te dis, oh là j'ai pas envie, donc je travaille pas. Non mon petit, c'est pas une attitude à avoir, c'est pas une attitude de gagnant, c'est pas une attitude de vainqueur. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, chaque minute pendant ta préparation à un concours compte. Et ceci d'autant plus que un concours, ça se réussit au détail. C'est au détail, frère, parce que s'il y a 16 000 candidats et qu'on en veut que 500 ou 600 ou même 1000, mon petit, tu conviens avec moi que le ratio est vite fait. Ah, mon petit, une astuce qui marche aussi super bien quand tu as la flemme de travailler, quand tu n'as pas envie, quand tu as la paresse, c'est de te poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est important que je réussisse ce concours? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de présenter ce concours? Pourquoi est-ce qu'il faut que je bosse pour réussir ce concours, mon petit? Parce que chacun d'entre nous a ses motivations. Chacun sait pourquoi est-ce qu'à la base, il a voulu présenter tel ou tel autre concours. Donc, mon petit, essaie à chaque fois de te rappeler pourquoi est-ce que tu prépares ce concours et pourquoi est-ce qu'il est très, très, très important pour toi de le réussir. Oui! Oui, oui. Bon, je vais pas nier le fait que des fois, si tu n'as pas envie de bosser, c'est juste parce que le cerveau est off. Il n'y a plus rien qui passe. Donc, dans ces moments-là, il faut se reposer ou alors aller faire un peu de sport. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, le sport c'est tout bénef. Tu ne dépenses rien, tu t'entretiens, c'est bon pour la santé. Et puis, tu aimes bien les mecs sportifs, tu vois un peu, non? Et vite fait ça, les garçons aussi, ils aiment bien les filles qui sont sportives, qui s'entretiennent, tu vois un peu. Donc mon petit, c'est tout bénef. Et demande pas de devenir Arnold Schwarzenegger ou bien de courir comme Usain Bolt. Non, 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 ou devenir Samuel Eto'o, non. Un peu de sport, un peu d'entretien, ça fait toujours du bien mon petit. En plus quand tu reviens de là, tu es renouvelé dans le cerveau, tu vois, non, tu as vraiment oxygéné le cerveau, tu vois un peu. Et là tu te sens mieux, tu es plus en confiance et tout. Donc ceci dit mon petit, par moment tu auras la flemme, mais il ne faut pas que laisser cette flemme te gagner, dominer ta motivation si vraiment tu as envie de réussir à ton concours. Mon petit,
il faut passer au-dessus de cette flemme. Mon petit, c'est ce qu'on dit chez nous, trop parler, c'est maladie. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Donc ceci dit mon petit, j'espère que cette vidéo t'aura redonné envie de te remettre au charbon si jamais tu avais la flemme de bosser. Parce que c'est que comme ça que tu pourras réussir à ton concours. Si c'est le cas, si cette vidéo t'aura été utile, n'oublie pas de lâcher un pouce noir, enfin un pouce bleu, et de partager, et de t'abonner, et de commenter. Et on est ensemble. Et Mina Kano.